Comme vous aussi, il n'y a rien assurément comme vous
Mais cet ensemble ne fait pas vivre. Hein? Les louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise. Il faut y mêler du solide. Oui, du solide. Et la meilleure façon de louer, dites, hein, c'est de louer avec les mains. Oui, c'est un homme à la vérité dont les lumières en sont petites, qui parle à tort et à travers, et qui n'applaudit qu'à contre-sens. Ah, ça c'est vrai, oui. Bon, bonjour, toujours à contre-sens. Mais son argent, je dois bien reconnaître, son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées et ce bourgeois ignorant vaut mieux, comme vous voyez, hein, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un petit peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme puisse lui montrer de l'attachement. Oh, dites donc, vous recevez fort bien l'argent que notre homme nous donne, hein? Assurément, assurément, mais je ne m'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Oh, mais je le voudrais aussi, et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Ah, et pour travailler, on travaille, hein? Mais en tout cas, il nous donne les moyens de nous faire connaître dans le monde. Il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Mmh. Oh, le voilà qui vient. Bien. Mettez-moi cette drôlerie. Comment? Quelle petite drôlerie? Et là, les ténèbres. Oh, monsieur, monsieur, vous nous y voyez préparés. Mettez-moi. Oui, 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 oui. Je voudrais bien auparavant, cher ami, n'est-ce pas, vous faire entendre un air qu'il vient de composer, là. Le petit là. Là, d'accord. Pour la sérénade que vous m'avez demandée. Oui. Oui. Voilà, c'est un de mes écoliers, hein, qui a pour ces sortes de choses un talent, comment pourrais-je vous dire, admirable. Admirable. Pourquoi un élève? Oh, mais monsieur, monsieur, il ne faut pas que le terme d'écolier vous abuse. Non, non, ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'ils puissent s'en faire. Écoutez seulement. Je les écoute. Ah, asseyez-vous, monsieur. Allez-y. Merci. Hop. Merci. Voilà, merci. Allez-y. Merci, monsieur. Voilà. Vous êtes bien installé, monsieur? Oui. Tout va bien? Attention, attention, vous êtes prêts? Allez-y. Ah, là, 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 là. La 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 la. Je chante la voix. Je loue jour et nuit et mon mal est extrême depuis qu'avant vos yeux, avant vos yeux m'ont soumis. Passez-moi comme musique. Mais monsieur, mais monsieur.
messieurs, il faut que l'air soit accommodé aux paroles. Bon, aussi je connais une. J'ai avec. L'autre avec Adam. Ouais, d'accord. Me croyez là de temps, aussi douce que belle, me croyez là de temps, plus douce qu'un mouton, hélas, 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 mille toi plus cruelle, que tigre au bois. Alors? Oh, monsieur! Monsieur le plus joli du monde! Et vous le chantez bien! Monsieur Tonton! Ah oui, 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 monsieur! Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse! Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble! Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses! Bien dit, beauté! Oh oui, monsieur! Je commence ce matin la théologie. Oh, la philosophie, monsieur! Mais la folie de philosophie est quelque chose! Mais la musique, monsieur, la musique! La musique et la danse! La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Ah oui, 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 oui. Alors, il n'y a rien qui soit si utile dans un état, monsieur, que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Oh, oh, monsieur, 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 sans la musique, monsieur, mais sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Oh, mais enfin, monsieur, 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 là, monsieur, monsieur, tous les désordres entre les, toutes les guerres, hein, qu'on voit dans le monde, hein, bien, n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques, les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que de faute de ne pas savoir danser. Quoi? Mais monsieur, monsieur, la guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Oui. Ah! Et si tous les hommes apprenaient la musique, monsieur, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Oui. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille ou au gouvernement d'un État, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire » ? Oui. Et faire un mauvais pas, peut-il procéder d'autre chose que de ne pas savoir danser? Oui. Vous avez raison, toutes les deux. C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je comprends tout, c'est super. Bravo, bravo. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oui. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un petit essai que j'ai autrefois, n'est-ce pas, des diverses passions que peut exprimer la musique. Cool. Oui, merci. Allons. Avancez. Bon, alors, monsieur, il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger. Hein? Voilà. Que je dois le faire. Essayez de vous déplacer avec grâce et légèreté afin de séduire ces femmes nobles qui n'auront que du plaisir à vous voir évoluer avec aisance. Un chapeau, s'il vous plaît. Tout de suite, un chapeau. Levez-vous, monsieur Jourdain. Oui. Je vous remercie. Vous en prie. En cadence, monsieur.
Levez la tête bien haute. Soyez fiers de votre corps. La jambe, monsieur. Tournez la pointe du pied en avant. Soyez fiers. Les fesses, monsieur. La tête, surtout, la tête bien droite, bien haute, fière. Dressez votre corps. Oh, voilà qui est le mieux du monde, monsieur. Franchement, vraiment, vraiment superbe. Top. Apprenez-moi une éléance. Pour saluer une marquise. Tout à fait, pour saluer une marquise. Une marquise qui s'appelle Goldimer. Donnez-moi la main. Non. Non. Alors, si vous voulez la saluer avec beaucoup de grâce, n'est-ce pas, vous lui faites une révérence tout d'abord en arrière, puis trois révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Montez-moi. Tout à fait, tout à fait. Une révérence en premier lieu en arrière, puis trois révérences en avant, une, deux, trois, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. D'accord. Mais que nenni, mais que nenni. Pour une révérence, le chapeau ne doit pas être aussi haut et il faut vous baisser bien plus bas. C'est lui qui va m'apprendre à danser maintenant. On aura tout vu ici. Non mais certes, je suis un maître de musique et pas un maître de danse, mais la musique me connaît bien quand même. Et je vois. C'est très beau, c'est très beau. Mais moi, je vous dis, monsieur, que votre chapeau... Mais très cher, pas, très cher. Ne doit pas oui. être aussi... Non. Oh là, oh là. Top. 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 Monsieur le tyrannos, je l'arrivais pire poil. Qu'est-ce donc? Qui y a-t-il, messieurs? Ils se battent. Et quoi, monsieur? Oh, ils se battent. Messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé pour vous de la colère? Il n'y a rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce. Et la raison doit-elle pas être maîtresse de tous mes mouvements et des mots? Comment, monsieur? Il vient me dire des injures en méprisant la danse que j'exerce. Oh, des injures. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse que l'on doit faire aux injures qu'on lui peut dire, et la grande réponse qu'on lui doit faire aux injures et aux outrages, c'est la modération de la patience. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut assez faire d'honneur. Et moi, monsieur, et moi, que la musique est une science que tous les siècles ont révérée. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous deux bien impertinents de parler devant moi avec arrogance et de donner impunément le nom de science à des choses que l'on ne doit même pas honorer du nom d'art. Et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, et de chanteurs et de baladins. Mais allez, bénitre de pédant! Allez, cuistre flippé! Marre de vous d'être... Je vais me jeter sur vous, hein. Viens là, 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 viens
battez-vous. Nous, mon top, battez-vous. Venons à notre leçon. Ah, monsieur Teller. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Je vais composer contre eux une satire de style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Je veux apprendre de l'étion. Ce sentiment est raisonnable. Nan sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Oui. Et vous savez le latin, sans doute? Oui. Expliquez-moi. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque l'image de la mort. Oui. Vous avez raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui. Vous avez écrit. Ah, par où voulez-vous que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? C'est quoi cette logique? C'est celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. L'opération de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. La troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures Barbara, Sérard, Dari, Berriot, Ferriot, Barilton, etc. Topé de tête. Putain. Voulez-vous que je vous apprenne la morale? La morale. Oui. La morale. Oui. C'est quoi cette morale? Elle traite de la félicité. Elle enseigne aux hommes à modérer leurs passions, etc. Non, trop compliqué. Est-ce la physique que vous voulez que je vous apprenne? C'est quoi cette théorie? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles, les propriétés du corps, qui discourent de la nature, des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes, des animaux, et elle nous enseigne les causes de toutes les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la neige, la grêle, et le vent et les tourbillons. Mais que voulez-vous que je vous apprenne? Apprenez-moi l'autogate. Très volontiers. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et des différentes manières de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire qu'il existe que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles... Voyelles, parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes, ainsi dites consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Et elles ne font que marquer les diverses articulations. Il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. Je tente tout cela. La voix A. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Ah, oui,
voix E. Elle se forme en rapprochant la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Ah, E, A, E, A, E, mâchoire. Ah, c'est beau. Et la voix I. Et la voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. Ah, I. Ah, I. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. En rouvrant bien les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Oh, oh, oh. L'ouverture de la bouche est justement un petit rond. A, E, I, O, D, A, B, A. L'ouverture de la bouche est justement comme un petit rond qui représente un O. 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 Vous avez raison. Ah, super. La voix U. Génial. La voix U. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors. Les rapprochant ainsi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. Vos deux lèvres s'allongent. Vos deux lèvres s'allongent. Comme si vous faisiez l'amour. D'où vient si vous la vouliez faire et à quelqu'un et vous moquez de lui. Vous ne sauriez lui dire que. C'est génial. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Ah, super. Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents. Au-dessus des dents. D'en haut. Da. 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 Oui. Les belles choses. Les belles choses. Eh oui. Les belles choses. Le F. En appuyant les dents d'en haut sur la lèvre d'en bas. Fa. Ta. Fa. Ta. Totop. Totop. Et le T. Le T. Ta. En portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais. Du sorte, dans sorte que, étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ta. 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 Je vous expliquerai toutes ces curiosités. Ah. Monsieur amoureux. Le veut écrit un billet doux. Fort bien. Sera-ce un gaillon, oui? Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non. Ni point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non. Le veut pas. Ni pause, ni vers. Il faut bien que cela soit l'un ou l'autre. Ah oui, pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Que la pause ou les vers. Tout ce qui n'est point prose est vers.
Tout ce qui n'est point vers est prose. Et elle dit quoi? De la prose. Quoi? Quand je dis d'école, apportez-moi mes pantoufles, c'est de la prose? Oui, monsieur. À toi, tu perds. Le père en pause. Je suis l'idéal. Je suis qui habillé doux. Belle maquille. Le beau yeux me sommeillent d'amour. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres. Je ne vais un peu modeste. Fort bien. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres et que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un... Belle maquise, le beau yeux, me sent mon amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non. Le deux. On les peut mettre premièrement comme vous les avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien. D'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien. Vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise. Ou bien, me font vos beaux yeux mourir, belle marquise d'amour. Je prends le mieux. Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Vénel! Top end. J'ai écrit un super poème. Génial. Le titre, génial. N'importe quoi, mon pauvre ami.
Je comprenais un hola. Pense plutôt à Marie, à ton fille. Mais c'est l'étrange, madame. L'étrange. Et un maître à danser. La loue. T'as pas honte à ton âge? Non. Pourquoi tu veux danser? Oui, ma foi, pourquoi? Cela sans doute pour vous rendre la jambe mieux faite. Sans doute. Tu perds ton temps. La loue. T'as des autres te dites à tête, hein? Oui, c'est que je vous dis. Que vous dites maintenant. Les paroles bien sensées. Mais non, tu ne comprends rien. Mais quand je parle avec toi, qu'est-ce que tu sais? Les paroles. Eh non, ce n'est pas ça. Eh bien, comment ça s'appelle? Ça s'appelle perdre son temps. Et non, c'est de la prose. La prose? Oui, de la prose. Tout qui est pose n'est pas un vrai. Et tout qui est pose pour un vrai n'est pas un pose. Les U. Comment? Oui. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis U? Des U pour joie. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis U? Je dis U. Oui. Mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu dis? Je fais ce que vous dites. Oh, c'est tombé, ta madame. Tu allonges sur les lèvres. Tu apportes la main toujours d'en haut et de celle d'en bas. Et tu dis, voici. Voici à vous. Voilà, c'est admirable. Ah, si vous avez vu oh, et ça. Et alors, c'est quoi que tu dis? Oh, je laisse tout bête. Madame. Tu dois tout tourner. Laissez-moi à tel et tout. Sachez que je n'aime pas monsieur le comte. Tu n'y comprends rien. Il est mon ami. Surtout pour de l'argent. Et alors, c'est la loose? Qui fait-il pour toi? Des choses. Et quoi? Trop compliqué pour toi. C'est ça. Je sais que je dis. Oui. C'est mon ami. De belles paroles. Ouais, la loue. Moi, sachez de
pas de l'argent. Tais-toi, Lalith. Mon cher ami Monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Très bien, monsieur. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Elle se porte quelque peu. Oh, Monsieur Jourdain, mais vous voilà le plus propre du monde. Je vois. Vous avez tout à fait bon air avec cet habit, et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Et de manche, il est crapte par où il se démange. Tournez-vous, cela est tout à fait galant. Oui, quel hypocrite. Ma foi, Monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Monsieur. Mon Dieu, ne mettez point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur. Mettez, vous dis-je. Monsieur, je suis un séditeur. Je ne me couvrirai point si vous ne me couvrez. Je vous aime bien. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Ah, ça oui. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Monsieur, vous me moquez. Mais je sais rendre ce que l'on me prête et reconnaître les plaisirs que l'on me fait. Monsieur, je veux sortir d'affaires avec vous, et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Et toi, Nathan? Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. T'as vu? Voyons un peu ce que je vous dois. Monsieur, vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Oui, mais toi, noté. Me voici. Je dis à vous une soie de s'ennuyer. Cela est vrai. Une autre soie, 28, 8, oui. Puis 140, oui. Vous avez raison. Pour un total de 5060. Le compte est fort bon. 5060 livres. 1832 livres à notre égale. Justement, il est vrai. 4000 à notre matin. Justement, il est vrai. Fort bien. Et 1000. Le compte est juste. Fort bien. 12 sols, 8 deniers. Le compte est juste. 1000. À l'autre théier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Tom, total, 15 000 livres. 15 000 livres, la somme totale est juste. Mettez encore 200 pistoles que vous m'avez données. Cela fera justement 18 000 francs que je vous payerai au premier jour. Et quand on dit vous êtes naïf, mon pauvre ami. Et puis, la paix. Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Et non.
et devrait pas aller. Tenez-vous. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il va te renier. Tenez-vous. Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Point, monsieur. Quel escroc. Tenez-vous. Il va te renier. Tenez-vous. J'ai force Jean qui m'en prêterait avec joie, mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si Jean demandait à quelque autre. Un adulte touti. Pas du tout. Si. Quoi? Tu m'as donné ton argent, Jean? Eh oui, il parle de moi ou moi. Et cela n'a pas de prix. Vous êtes trop naïf, mon époux. Je vous assure, monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Si madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Oh diable! Notre belle marquise, comme je vous ai demandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Je l'ai fait consentir enfin au régal que vous lui voulez donner. Faites-moi ça. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Et alors? Merveilleux, et je me trompe fort, la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Super. Ensemble, ils sont terribles. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Me tirer de toi, c'est... Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis on s'arrête à ces sortes de scrupules? Et ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait? Bien sûr. Ignore. Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour. Lise, David. Encore là? Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles, et vos fréquentes sérénades, et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, et le régal que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. De la maquille. Nicole, va écouter. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Mon épouse ne va pas là. Vous avez fait prudemment et votre femme aurait pu nous embarrasser.
J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le balai. Il est de mon invention, et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr qu'il sera trouvé. Attention, vous étiez... Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui y sous-roche et il parle de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Oh, le filou est complète. Papa avant tout a marié ma fille. Oh, en vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins. Et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va chercher Cléante. Oh, j'y cours, madame, avec joie, et je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Voilà tout à propos, je suis une ambassadrice de joie et je viens... Stop! Est-ce ainsi que vous recevez? Va-t'en! Quel vertigo est-ce donc là, mon pauvre Coviel? Dis-moi un peu ce que cela veut dire. Hors de ma vue. Quoi? Tu me viens aussi? Ne me parle pas. Ouais? Quelle mouche les a piqués tous deux! Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse! Parler de la sorte. Et moi donc? Mais je pense sans cesse à elle et regarde comment elle me traite. Tout comme vous. Mais quelle ingrate! Moi, dites-vous. Mais je lui ai tout donné. Tout comme vous. Tant de larmes, mais que j'ai versé à ses genoux. Et moi donc? Mais je l'aimais. Et elle me fuit avec mépris. Moi aussi. Mais c'est une ingrate. Nicole aussi. Bon, je ne veux plus parler d'elle. Moi, monsieur demanda. Mais ce qu'elle m'énerve. Mais c'est impossible. Qui songe à cela? Oh, combien je pense sans cesse à elle! J'y consens. Bon, allez, dis-moi des méchancetés sur Lucille. Elle a des petits yeux. Oh, j'adore son regard. Bouge grande. Ah, oh, sa bouche, j'adore sa bouche, combien elle n'est pas grande. J'adore sa taille. Pas d'esprit. Pas d'esprit, oh si, elle en a, combien elle en a.
pas de conversation. Oh, sa conversation conviviale et charmante. Toujours ça. Tu te trompes. Elle est capricieuse. Tu te trompes encore. Mais vous devez encore. Non, mais j'aimerais mieux mourir. Mais la voici qui arrive. Je ne veux pas lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléonte? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muet, Cléonte? As-tu perdu la parole, Coviel? Oh, mais laissez-moi! Traître. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ha ha! On voit ce qu'on a fait! Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre. Voilà deviné l'enclos. N'est-il pas vrai, Cléonte, que c'est là le sujet de votre dépit? Oh, mais trop, c'est trop! Que si que... Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non! Je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Non. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Mais apprends que... Non, tata. Écoutez. Mais point d'affaire. Mais laissez-moi dire. Je suis sourd. Cléonte. Non. Coviel. Point. Arrêtez! Chanson! Mais entends-moi! Bagatelle. Un moment! Point du tout! Un peu de patience! Tara! Deux paroles! Non! Un mot! Plus de commun! Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qui vous plaira! Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras. Bah allez, ok, je t'écoute. Il ne me plaît plus de le dire. Je t'écoute. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Allez, dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Compte-moi. Non, je ne compte rien. Allez, de grâce. Non, vous dis-je. Point d'affaire. Ah, je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là, Lucille. Non, 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 non. Point. Au nom des dieux. Je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Allez, je vous prie. Non, je n'en ferai rien. S'il te plaît. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque c'est ainsi, tant pis. Laissez-moi mourir d'amour. Vous allez mourir, Cléonte? Oui. Moi, je veux que vous mouriez? Mais oui. Mais est-ce ma faute? Si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Vous êtes sûr? Tu es canon. Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Ah. Que c'est bon d'entendre cela.
Madame, que cette parole m'est douce. Oh, et qu'elle flatte mes désirs. Fille. Ok. Et toujours gentil. Hein? Non, monsieur. Cela, ma fille n'est pas pour vous. Mais comment? Vous êtes pas gentil homme. Donc, vous n'êtes pas ma fille. Quoi? Qui dis-tu? Stop! Désolez-vous, ma tombe. Je vous noble. Stop! Ton père était marchand comme le mien. Vous êtes un gentil homme, pas mal dit. Je ne suis pas d'accord. L'amour avant tout. Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand malicorne et le plus sonadé que j'ai jamais vu. Top! Mati sera maquise. Maquise? Oui, maquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai eu. Pas question! Ma fille épousa l'homme qu'elle aime. Pas question! Ma fille, la lame d'un aimant. Je suis démunie. Laissez-moi réfléchir. Mais je suis triste de cette nouvelle. Ah. Mais de quoi ris-tu? Comment? Génial. Quoi donc? Nous allons vous marier, Cléonte. Mais apprends-moi. Je vais vous assurer de tout. Le voilà qui a. Je ne sais pas, Dorante. Je fais encore ici d'étranges démarches, de me laisser ramener par vous dans une maison où je ne connais personne. Une maison neutre pour cette rencontre. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance, et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage. Je serai heureux d'être à vous.
Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiétaient par deux raisons. L'une, qu'elles m'engagent plus que je ne voudrais. Et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point que vous ne vous incommodiez. Et je ne veux point cela. Ah, madame, ce sont des bagatelles. Je sais ce que je dis. Et, entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Et, madame, de grâce, voici le maître du logis. Vous avez
connu? Assurément. Sans doute. Et enfin, comment? On dit qu'il était maintenant. Non. C'était un gentilhomme. Les ailes se pèsent vos ailes. Je soutiendrai tout le monde. Que je les vous. Vous présentez un homme très important. Qui? Le fils du grand Dieu. Quoi? Non. Comment me voir? Je ne sais pas cela. Et vous avez de la chance. Il est amoureux de votre fille. Le fils du gantique. Vivez votre nom. Mojand, le titre du gantique. Oui. Il m'a dit Bouchamstein. C'est-à-dire, n'as-tu point vu la fille de Monsieur Jourdain? Gentilhomme parisien. Le titre du gantique dit cela de moi? Oh, t'as la montesse? Le dit gentilhomme parisien. Pas mal, tu vois. Là, il y a une langue. Améable de ce truc. Savez-vous ce que dire Cacamoussel? Non. C'est-à-dire, ma chère âme. Caca Moussen le dit Moussen âme. Oui. Zaya qui est merveilleux. Il vient vous demander votre fille en mariage. Et vous faire ma mamouche. Ma mamouche. Et vous irez de faire allégeance ce monde. Allons de te passer, lui. Non, la venir ici. Et le venir ici? Oui. Et la même toute chose. Pour la sœur. La lac est bien rapide. Son amour ne peut souffrir aucun retard. Tout qui me nuit, c'est que ma fille est amoureuse de Crayon.
au Samburim. C'est-à-dire, monsieur, votre cœur soit toute la nuit comme aussi fleur. Je suis votre humble serviteur. Caïa compote. Ah, c'est mieux! Il dit que le ciel vous donne la force du lion et la prudence des serpents. Je ne t'explique, je ne tout. Sadam, Mayurshukanahoda. Il dit que vous allez vite conclure le mariage. J'en dépose un de mon. Oui, le Turc. Mais que cela est drôle! Oh, je vous prie, monsieur, de nous aider dans une affaire qui s'y passe. Ah, ah, je ris. Cléon, qui t'aurait reconnu? Comme te voilà ajusté. Vous voyez? De quoi ris-tu? Ah, d'une chose, monsieur! Comment? Mais du stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain, hein, n'est-ce pas? Pour me marier à sa fille! Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet, puisque tu l'entreprends. Ah, je sais, monsieur, je sais que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Monsieur, retirez-vous pour voir une partie de l'histoire. Voilà, le foire en
paladine. Vouloir faire un paladin. Des Jourdinans, des Jourdinans. Des Jourdains, des Jourdains. Oh, dans tout le bon temps. Oh, dans tout le bon temps. Et dans le scampinage. Donnez turban et donnez cimetière. Comment bon garela et brigantanina. Avec brigand et brigantine. Et père défendant à Palestine. Pour défendre Palestine. Oh, moi, mettons, moi, mettons. Et voilà. Paladin. N'importe quoi.
Quelle ignorante! Tu as raté la cérémonie! Quelle cérémonie? Mardina! Abada! Obada! Obada! C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse.
Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Voilà qui vient. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse, comme ami de monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Oui, assurément, et pas le sucre à mes lèvres. Dites-lui que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité. Bon, amen. Catalekite, balla! Pourine sautère à Malfanna. Voyez-vous que la pluie arrose le jardin de votre famille. Et pas de sucre? Cela est admirable. Venez, Mathilde. Voilà l'homme qui veut s'épouser. Comment, mon père? Mais comment vous êtes fait? Mais vous jouez dans une comédie? Ben... Non. Je n'ai pas eu de comédie. Voilà votre mari. À moi, mon père? Oui, à vous. Je peux pas me marier? Je veux moi. Je n'en ferai rien. Allons, je vous dis, votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Mais il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de votre petite obéissance. Comment donc? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à Tic. Vous dites-vous, je te tais, impertinente. Vous êtes fou. Pourquoi ce mariage? Je veux marier notre fille avec le fils de Gantec. Avec le fils de Tic. Oui, celui-ci, c'est le complément. Pas question. Il n'y a pas ma fille. Tenez-vous. Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là? Vous refusez son Altesse turque pour gendre? Monsieur, mêlez-vous de votre affaire. C'est qu'une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, vous mêlez-vous de votre affaire aussi. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passe de votre amitié.
Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à poser un pic. Sans doute. Elle peut obligante. Que ne fait-on pas pour être grande âme? Ah, pas ma fille. Je connais trop bien. Là, la bière de craquer? Ce malade là, c'est cela. Et je lui dis que non. Ah, que je vis. Mais enfin, ma mère. Allez, faites une coquine. Quoi? Et la peste se malade et la lésion. Elle est à moi. Madame. Que voulez-vous? Pas de questions. Monsieur, laissez-moi lui parler. Pas de questions. Écoutez-moi, ça. Non! Écoutez-le! Non! Je ne veux pas l'écouter. Il vous y a! Je veux pas. Vous êtes têtu, ma femme. Écoutez-le, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Vous ferez après ce que vous ferez. Eh bien, quoi? Et moi, Colin, qui suis le ah, qu'est-ce que là? Je me rends. Faites-en, mon oui.